Et salut, salut tout le monde, comment ça va? On se retrouve donc sur Full Throttle pour la suite et sûrement la fin du Let's Play. Donc on va essayer de coincer ce Ripburger. Et donc ouais, on avait fait 77% du jeu déjà, donc à mon avis, c'est le dernier épisode. On va voir ça tout de suite. Donc on avait été écartelé tout et tout, mais finalement on a regagné la confiance de Mo. Et elle nous a dit qu'il fallait essayer de s'introduire donc par le passage secret. Je n'en veux pas. Montrez-les à quelqu'un d'important si vous pouvez. Ok. On va essayer de s'infiltrer dans le... dans l'usine. Par le passage secret à l'arrière. Ici. Donc faut taper quelque part. Donc quand elle était petite, il y avait une fissure. Au niveau des yeux. Faut taper, voilà, quand ça s'arrête ça. Là quoi. Là où il y a un truc quoi. Je le cognerai plus tard quand j'aurai plus de temps. Ah bon? Je le cognerai plus tard quand j'aurai plus de temps. J'aurais dit que c'était maintenant. Je le cognerai plus tard quand j'aurai plus de temps. Ah d'accord, c'est avec le pied peut-être. Bah voilà. Ah, let's go! Facile! Alors, nous avons infiltré l'usine. Bureau de Corley. Vous voulez que je joue les déménageurs? Pas question. Qu'est-ce que tu vois? C'est un bureau très rudimentaire, y a même pas de tiroir. Hein? Voilà ce que j'appelle du grand art. Bon bah. C'est quoi, fenêtre? La reine est dévorée par les flammes. Il va ah falloir oui. puiser dans la caisse de retraite pour réparer les dégâts. Ça brûle toujours. Ce verre est vraiment épais. Ok. Yeah. Bon bah. Allez. Continue. Alors. Lecteur, ok, il nous faut un pass. C'est ici qu'on met la carte. J'ai pas de carte, on est d'accord. Des lapins. Auto. Ah oui, je me rappelle, ça y est, je crois. C'est fermé. Je me rappelle de la fin. J'ai eu un flash. On dirait que la réunion a commencé. C'était non seulement un dirigeant inspiré, mais aussi un grand ami. Sa mort nous affecte tous très profondément. Malcolm et moi, nous parlions souvent du futur. Nous parlions du jour où Corley Motors oublierait ses humbles débuts pour entrer dans un nouvel âge. Et même si sa mort tragique nous l'a enlevé, beaucoup plus tôt que prévu. Il fait genre qu'il pleure, tu sais. Son rêve, lui, est resté intact. Des minibus! Mon devoir est de concrétiser ce rêve en sa mémoire. Mesdames et messieurs, je suis fier de vous présenter aujourd'hui le futur de Corley Motors. Le minibus Corley. Jamais cru qu'il en arriverait au minibus. Hé, hey, qui êtes-vous? Vous êtes Oups. Là depuis longtemps? Oh, sécurité! Merde! Allez! Faut que je me planque! Sécurité! Fais toujours temps pour. Pour c'est le gars. Parti en courant dans le couloir. Dépêchez-vous! Mais Vise doit avoir des visions. Hop là! Y'a pas beaucoup cherché le mec. Ok! Donc il faut détourner son attention. On était là, bah on va essayer là du coup. Une carte de toute façon. C'est fermé. Merde, tout est fait. C'est fermé. Eh?
Bah, c'est juste pour voir ce que ça fait. Sheriff Burger sait vraiment brailler quand il veut. Et d'où est-ce qu'il sort toutes ces conneries? Ah, peut-être le temps de faire un truc. Sécurité! C'était encore lui, le grand type costaud. Et attrapez-le cette fois, hein. Comment ça vient faire? Peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont plus venir. J'aurais essayé une dernière fois. Ah, il y a peut-être une carte d'accès à choper. Attends. Regardez-moi ce double menton. Quelle chemise ringarde. Ah merde. À l'aide. Sécurité. Vous ne pouvez pas l'attraper, non? Vous avez trop mangé à midi ou quoi? Elle doit manquer de sommeil. Y a un truc à faire, y a un truc à faire. Pas la bonne méthode à ce que je fais. Quoi d'autre dans le décor? Donc ça c'est fermé, ça c'est fermé. Je peux pas le bricoler le truc là. Merci. Je veux pas déclencher une alarme, on sait jamais. Okay. Elle est prévue pour dévisser des boulons. Ok. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Normal. Y a pas beaucoup de choix en fait. C'est fermé. C'est fermé. J'ai les pieds en compote. J'espère que c'est bientôt fini. On va y aller. Merde. Il était encore là. Vous êtes là pour surveiller les lieux, non? Elle se sent peut-être seule. Bureau de Corley. Pas de tiroir et rien. Vous voulez que je joue les déménageurs? Pas question. Vous voulez que je joue les déménageurs? Pas question. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. C'est un bureau très rudimentaire. Y a même pas de tiroir. Mince. Mince. Réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Nanana, le vieux Corley me manque déjà. C'est là qu'on met... Merde. Ah, on peut vraiment rien faire, hein. Avec une protection comme la vôtre, je pourrais être déjà morte à cette heure-ci. Je me demande si elle ne cherche pas à attirer mon attention. Je vais ressortir. Mais t'as toqué à la porte d'entrée, peut-être que... Y'a autre chose à faire par là... Genre, tu vois, justement, attirer la sécurité ou quelque chose. Désolé, mais la réunion a déjà commencé. Je sais, laissez-moi entrer. Monsieur Ripburger est en train de faire son discours d'ouverture. Il ne tolérera aucune interruption. Mais je suis actionnaire. Tant mieux pour vous. Connard. Non. Tu montes des photos ou... Ah. C'est quoi ça en fait? Je garde cette chaîne pour mes amis de la route de la vieille mine. Ah oui, c'est une chaîne, ok. Les photos. Il faut les dévoiler au grand public. Oui. Comme celle des cellules d'isolement au pénitencier. Monsieur Ripburger est en train de faire son discours d'ouverture. Il ne tolérera aucune interruption. Mais je suis actionnaire. Tant mieux pour vous. Connard. Ok. Ah merde, je suis bloqué là. Je suis bloqué, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. L'usine de Corley Motors, la terre sacrée. Anneau. C'est fermé. Système mécanique. Il est bien fermé. Et rouillé aussi. Attends. Il est prévu pour dévisser des boulons.
Page. C'est fermé. Système mécanique, c'est fermé. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Ce verre est vraiment épais. Aïe, je sais pas quoi faire. Il nous faudrait une carte. C'est ici qu'on met la carte. Quelle carte? J'ai pas de carte, moi. Il faut les dévoiler au grand public. Un petit lapin? Ces lapins ne peuvent servir à rien ici. Ok. Ah là, c'est... On a fini la boucle, je pense, de dialogue. Ne me regardez pas comme ça. Je me demande si elle n'est pas amoureuse de moi. Quoi ça? Ah, un coffre. Putain, j'avais même pas vu. Ah. Merde, par contre, c'est quoi le... C'est quoi le code? Date de naissance. Merde, j'en rappelle plus. On a quoi comme date? Parler à mots vite fait, hein. Pas grave, on progresse. On a trouvé un coffre. J'aurais pu le voir direct, d'ailleurs. Ah, au moins ça va vite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le vol s'est bien passé? Il y a eu des explosions quand j'ai décollé. J'ai atterri dans un champ de mines. Mais sinon, c'était bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait exactement? C'est un cargo industriel Jumbo Jet C330, modèle gros cigare. On veut le remettre en état pour faire les concentrations. Vous allez essayer de faire voler ce truc? De le faire rouler, Ben. Rouler. Ce mastodonte ne peut plus voler. Ni moi, d'ailleurs. Au fait, j'essaie tout, hein. C'est gentil de me demander de mes nouvelles. Mm-hmm. Bon, maintenant, aidez-moi à trouver cette clé. Vous vous souvenez que vous avez essayé de me tuer? Oui, c'était une belle leçon, hein. C'est marrant. Je vais voir ce que je peux faire. Oui. Ah, il y a des dates, là. 15, 44, 92. C'est ça? Voilà. Ok. 15, 44, 92. Go! Du coup, on a dit 24. Yeah! Il y a une sorte de carte. Ah, prends-la. J'espère que c'est le testament de Malcolm Corley. À tout? Ok. Tiens. Et donc, la carte, c'est pour ouvrir là. Mes condoléances.
Mais qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est le moteur qui s'est arrêté, ce n'est pas grave. Attendez, j'en ai pour une minute. Oui. Comme je vous le disais... Je hais ce matériel, il est bon pour la casse. J'ai moins de problèmes pour ajuster mon corset. Ok, yeah, donc il y a une diversion à faire, là. Ça, c'est pour arrêter, ça, c'est pour faire quoi? Bien. Pour arrêter, d'accord. Aïe, 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 aïe! C'est carrément intolérable. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il faut simplement régler la lampe. Ce sera réparé en un rien de temps. Oui. Bien. Donc. J'allais plus vite. Comment on fait? Et les deux, du coup? Merde, putain, il avait quand même pris en compte. Comment avez-vous pu rater un type aussi grand? Mais je crois bien qu'elle essaie de me faire passer un message. Bon. Comment qu'on fait? Attends, je vais essayer deux fois le même, ça fait quoi? Plus vite, c'est ça? Oh, pour l'amour du ciel! Hé, hey, vous, là-bas, dans la cabine de projection, réveillez-vous! Je crois que j'ai compris. C'est arrêté, ce n'est pas grave. Attendez, j'en ai pour une minute. On a de la veine, hein? Le film n'a même pas brûlé. Ah, voilà, c'est ça. Je vais mettre les deux... Je fasse brûler le film, en fait. Ok, ok. La lampe, plutôt que de l'éteindre, je vais la mettre à fond, quoi. Les deux comme ça. Bien. Ça, c'est apparemment. Allez, espèce d'antiquité. Notre compagnie est à la pointe de la technologie. C'est inadmissible. Ça ne devrait jamais arriver. Oui. Je suis vraiment désolé de cet incident. C'est l'inverse, en fait. Faut que j'arrête le film et augmente la lampe. Et ça. Comme ça, ça va cramer le film. Hop. Et hop. Alors là, si ça marche pas... Je vais maintenant vous présenter... C'est bon, je pense. Oh, bravo! C'est un désastre. À qui le dites-vous? Je crois qu'il va y avoir un temps mort assez long. Vous n'avez qu'à leur raconter des histoires drôles. Je n'en connais aucune. Vous savez... Ça me rappelle une anecdote très amusante. C'était un... qui est galère. Voilà. Avec sa clope, là. Je n'ai plus d'idée. Ok, donc là, la voie est libre. Bon. Donc... Ah là, tiens, on va pouvoir mettre notre film. Attends. Marche. Une bande. Campagne nationale. Ah bah voilà, tout seul. Ce diaporama va vous montrer notre nouvelle stratégie. Oh là là! Plus agressive. Plus agressive. Bonjour! Si vous entendez ceci,
c'est que je me suis fait descendre. Mais il faut bien que les anciens cèdent la place aux jeunes. Et c'est pour ça que je suis venu vous parler aujourd'hui. J'ai tout préparé pour ma succession. Et j'ai choisi quelqu'un pour diriger Corley Motors. Et ce n'est certainement pas cet escroc d'Adrian Parker. Rip, ce n'est pas dans mon bureau que tu vas t'installer, mais en prison. Ah, j'ai trop souvent écouté ses conseils. Et je n'aurais pas dû. Il m'a même persuadé de ne jamais révéler l'existence de ma fille. Il avait tort. J'aurais mieux fait de m'occuper d'elle. Maureen, j'espère que tu me pardonneras et que tu accepteras de reprendre Corley Motors à ma place. Bon, allez, ça suffit. Comment j'éteins ce truc-là, hein? Je... dans la merde. Bouh, prison! Je vais vous avoir infligé cet extrait d'une des séances de psychanalyse de Malcolm. Vers la fin, il avait des visions paranoïaques. Il était hanté par des forces puissantes qu'il imaginait. Et en voici une. Mesdames et messieurs, je m'appelle Maureen Corley, j'en ai une très bonne à vous raconter. Quand j'aurai terminé, vous comprendrez pourquoi. Cet homme devrait déjà être en prison. Où est-il passé? Oh oh. Le voilà. Et ensuite, en course. Envoyez ces hommes chez moi. Ah oui, d'accord. Y'a pas plus discret, quoi. Vas-y, Rindberger. Quand on voudra te retrouver, il suffira de suivre ta piste. Oui, bien sûr, nous proposerons des révisions en 24 heures. D'autres questions? Quand on parle du loup, venez par ici, Ben. Hey, la star! C'est formidable, hein, Ben. Nous voilà enfin à la place qui nous revient. C'est beau, une happy end. Et après, vous irez acheter des tailleurs chic pour le bureau. Ne m'en parlez pas. Ne vous plaignez pas, vous allez être riche. Pour l'instant, je rêve surtout d'un peu de calme et de tranquillité. Ah bah c'est pas tout de suite. Ah ouais, carrément, les mitrailleuses et tout dans le camion, quoi. Alors, non, la musique est un peu forte là. Option, paramètres, volume, musique. Et bien la musique, mais là elle me casse les oreilles. Alors, comment qu'on fait? Une grille. Ok, yeah. Là tout va bien. Ça c'est quoi ça? Ventilateur. Rien à mettre dedans. Plutôt petit. Et chaîne. Ok. On a plus que ça. Un lapin. Ah oui. C'est drôle. Ah non. Ouvre lapin. C'est drôle. Ah bah non, ça sert à rien. Merde. Ok, la moto. Si j'y touche, elle va se casser la gueule. Ok. Là y'a quoi? Ok. Là on le ventilo. Le pied? Non. Non bah non. Panneau. Ah il voit plus rien! Ah merde. Alors ok, il y a un truc à faire. Oh merde! Ah! Oh mais d'accord! Il y a un temps limité, quoi. Je vais encore essayer. Ah non, vas-y. C'est long, là.
Et après, vous y allez acheter des tas d'ailleurs chic pour le bureau. Ne m'en parlez pas. Ne vous plaignez pas, vous allez être riche. Pour l'instant, je rêve surtout d'un peu de calme et de tranquillité. Elle m'a interrompu en plein discours. Elle n'aurait jamais dû faire ça. Et juste au moment où j'allais parler des dangers inhérents à la conduite des motocyclettes. Tu ne peux pas speeder un peu, Stabbo? Je vais faire une sauvegarde hein, entre les deux parce que sinon ça va être chiant de revoir ça tout le temps. Hop, sauvegarder. Plantation, très bien. Alors, on ouvre ça. Quel panneau du coup? Ah attends, si je sais. Je refuse de poser mes lèvres. Non, dommage. Faut que je prenne sa canne là. Voilà. C'est pas d'une canne que t'auras besoin quand j'en aurai fini avec toi, Red Burger. Je ne crois pas. Je vais mettre la canne du coup. Hop là. Ok. Cool. Il vaut mieux qu'il sache pas que je suis là. Salut Dalim. Oula. Oh merde, tout est pété. J'ai dit qu'il pouvait plus voler, mais rouler ça il peut encore. Et il vaudrait mieux voler parce que nous allons tout droit vers la gorge. Red Burger, vous allez tous nous tuer. Taisez-vous, Ben. Ne gâchez pas mon final grandiose. Comment est-ce qu'on arrête cet engin? Dans le cockpit. Un cockpit, ok. On va tirer dessus, non? Baisse-toi. Ouais, bah ouais. Il est passé. Comment ont tellement morflé? J'aurais peut-être pu les utiliser. Atterrissage, urgence. Pas de moteur. Il m'a été sévèrement endommagé, ne répond plus. Merde. Je sais, décollage. Pause décollage. Train. Rentrez le train. C'est parti. Voilà. Ben, qu'est-ce que vous avez fait? Attention à mort. Ah ouais, le saut. C'est fini, Red Burger, tu as crevé. Vous êtes toujours vivant? Moi, oui. Mais Rip Burger, lui, je sais pas. Je peux le voir. Je crois qu'il a eu son compte. Remontez ici, vite! Alors là... Il est comme volé, ok. Cargaison. 3 kilos. Vie. Ok. Ouh.
Hauteur. Non, défense. Rayeuse. À tirer. Arrêt système. Bam! Je suis trop fort! Wake. Bon, je crois que c'est une réponse. Là, il peut y aller tranquille ou ça va se casser la gueule? Ok, tranquille. On se casse! Nous avons besoin de votre poids dans l'avion. Prends ta moto et barre-toi, Ben! Et voilà, ça c'est une sortie épique, mon gars! Wah-ha! Oh oui, comme au cinéma! Ben voilà! Le gang est libéré! N'était qu'un jeu pour lui. Et il l'a vécu selon ses propres règles. Il représentait un mystère pour la plupart d'entre nous. Mais il était aussi une inspiration pour nous tous. Il nous a donné la liberté. La liberté! Il nous a donné la puissance. Il nous a donné des ailes. Il nous a donné des roues. Merci, Malcolm Corley, de nous avoir offert un rêve qui ne finira jamais. Ah, c'est beau, hein? Bon. On pourrait peut-être déjeuner ensemble la semaine prochaine. Ouais, sûr. C'est une super idée. Toute cette histoire ne changera rien entre nous, hein, Ben? Ce n'est pas parce que je dirige la compagnie maintenant, que j'habite un château et que je roule en limousine, que nous n'allons pas continuer à nous voir souvent. Hein, Ben? Écoutez, Mo, vous êtes dans un autre monde maintenant. Vous ne devriez plus traîner avec des types comme moi. Mais, Ben... Un instant. C'est la rupture! Quoi? Non, 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 c'est de la folie! Mais il est malade ou quoi? Reculez la réunion à 17h et dites au chef d'atelier que je viendrai examiner ses pièces moi-même. Je sais, c'est ce que je lui ai dit. Il est parti. Excusez-moi, vous disiez? Non, non, non. Cet alliage était défectueux depuis le début. Oui, d'accord, oui. Bon, très bien. Il n'y aura pas de happy end entre les deux. Dommage! C'est fini le film! Bon bah voilà, j'espère que ce petit let's play ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé le refaire. C'est vraiment un jeu bien sympa, je trouve, une ambiance hyper particulière, hyper cool à faire. Franchement, nickel, y'a rien à dire. Un très bon jeu! J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, bah merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. C'était du coup 4 épisodes fort sympathiques. Et puis bah on verra hein, le prochain let's play, si y en a un on verra hein. Si vous avez des idées aussi en commentaire n'hésitez pas. Et sur ce, bah des bisous à tous et à la prochaine. Salut salut.